Magnifique feu, oui. Vous voyez tout ce... Ah là, il y a un tronc, oui. Tout ce truc, tout ce champ qui a été déblayé. Toutes ces bûches qu'on va couper demain. C'est un vrai travail, je vous explique. On a mis 3 heures à peu près. On a tout brûlé, tout dans ce feu. Grâce à papa, moi, Christophe et Yvrick. Non, super. Voici Chris. Chris! Oh, le feu, il va très fort. Chris qui regarde ça. Ah, lui, il a l'arroseur dans les pieds. Chris qui attaque. Il décide de s'y mettre aussi. Oh, c'est vraiment super. Le feu va vraiment bien. Papa qui monte son gros ventre. Vas-y, lance. Chris qui regarde le feu superbement, oui. Ah, je sens qu'il va venir me taper. Aïe, aïe, aïe. Qu'en pensez-vous du feu, Christophe? Il est très bien. Voilà. Et vous, monsieur Alain, que pensez-vous du feu? Ben, je pense que ça prend moins de place brûlée qu'à l'état sauvage. Ouais, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ouais, je pense le même avis en regardant le feu. Désolé, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, peut-être. Alors voilà le nouvel arbre qu'on a planté. On ne sait pas si c'est un bouleau ou un tremble. En tout cas, on l'a planté hier, il a l'air de vivre pas trop mal. Voici le saule. On a trouvé une bûche à la cave du saule. Qui germait. On a planté toute la bûche. De ping-pong que je suis en train de refaire. On va râper un petit peu la surface. Là, il y a encore ce tas de bois là à brûler. Le tas du fond a disparu. Cet après-midi, on va s'occuper de ça. C'est le barbecue qu'on a fini. Et ça, on l'a
déplanter pour planter mon petit arbre. On va le laisser là, ça va bien. Allez, Mika qui joue au croquet. C'est le 1er août en famille. Et devant le feu, les petites bougies sur la cheminée. La grand-mère qui prépare à manger. Les lampions pendus aux poutrelles. Un lampion un peu tristounet. Le bébé. Voilà. Ouais. Bon. Oui, devant la maison. Hop. Le drapeau, je ne vois. Le beau jardin. La voiture, et voilà l'arbre que j'ai planté, il est magnifique. Voilà, le portail est réparé, les volets doivent encore être peints. On va pénétrer dans la cave, qui maintenant est impeccable. Puis noter l'arrangement, toutes les choses, et regardez la quantité de bois qu'on a scié, tout ça fait à la main, tout est en ordre. Les moquettes ont été nettoyées, teinturerie. La salle de bain, bon ben, toujours boxon. Ressort. On peut venir admirer la table de ping-pong. Dans la classe, on a acheté une petite bâche pour pas que ça s'abîme. Vous avez vu le détail. Toute repeinte, impeccable. Moi je la Ah, j'ai une belle photo de tes fesses là. Oui, je vois ça. Aïe. C'est vrai que si elle tape trois fois, on devrait faire super deux points. Ça non. Oh là là. Dans le blé. On arrive.
lesson here about the plunge into the field of corn. Here goes. L'arrière du jardin. Tout bien nettoyé. Les 80. La fenêtre mastiquée. Un petit ponton pour mettre du bois. Scié, coupé, rangé et ce qui servait à rien brûler. L'intérieur de la cave rangée. Tous les instruments suspendus. Le bois coupé, rangé. Le porte-bagages accroché avec du fil de fer pour pas qu'il glisse. Une étagère posée. Les différents trucs, les chariots rangés à leur place, les roues de vélo de sécurité de grand-mère en place, les portes godasses là, le bois sec prêt à être brûlé, la sécurité des prises, lampe du miroir rebranché, okay. Levier en instance d'être mastiqué. Comme le linge dérange pour l'entrée des portes, soit on coupe cette pièce-là et la porte glissière glisse comme ça. On la fait glisser, mais jusque-là, simplement. Là, on met un loquet pour faire terminer tout ça. À la place de ce rideau, on met une porte glissière qui rentre derrière l'armoire. Voilà. Ici, il faudrait prévoir une porte en bois pour remplacer ce rideau. Et voilà. Et la place, tu fixes deux montants en bois ici, avec deux portes. C'est bon. Alors là, on voit que l'électricité a été faite par un amateur. Regardez les morceaux de fil qui traînent partout. Enfin, il paraît que c'était gratuit, donc on ne s'est pas plaint. D'avancer cette porte de environ 60 cm de manière à ce qu'on puisse être dans les chiottes et pouvoir baisser la culotte et s'asseoir sans être obligé d'ouvrir la porte, de baisser le froc, de rentrer à reculons et puis de poser sa queue. Alors là, il suffirait d'avancer jusqu'environ ici, de mettre deux poutres jusqu'en bas, là et là, fixées en haut, de lambrisser à gauche. Soit réutiliser cette porte en ajoutant une pièce pour que ça soit plus haut, ou bien de racheter carrément une nouvelle porte et la fixer. Cette étagère, j'ai dû tout enlever les étagères, reclouer et recoller toutes les petites lattes en bois qui tiennent les étagères et revisser tout ensemble. La prise a été posée selon les désirs de grand-mère. Alors, dans cette pièce, je vois les travaux suivants.
poser des poutres tout le long des murs, comme dans la cuisine, et faire un faux mur tout autour pour éviter ce problème d'humidité. Comme vous le constatez, ne s'améliore guère. Donc, vous ne constatez rien du tout parce qu'on n'arrive pas à voir. Il y a une petite fente qui se dessine sur le mur. Bon, là donc, où il y a l'embrissage, on continuerait comme ça tout autour. Comme sa grand-mère serait bien au sec. Alors tu vois, autre... Les volets sont peints. D'ailleurs, voilà grand-mère. La barrière est réparée et peinte. J'étais obligé de faire ça en deux pièces. Parce qu'il n'y avait pas du bois assez large, au douit, mais ça va. Les pierres sont peintes. Là-haut, c'est de mettre un toit par-dessus la cheminée de manière à ce que la flotte elle rentre pas dedans. On met des piquets dans chaque coin, puis une grande plaque par-dessus le tout pour éviter que l'eau elle puisse rentrer. Je suppose la même chose est nécessaire ici. Ça c'est la cheminée de la cuisine. Celle-ci, si elle n'est pas complètement bouchée, devrait être bouchée. Et puis ouais, la fente, il y a une fente, ouais, d'accord. Mais... Je suppose. Donc par l'endroit. Mais à mon avis, ça ne bougera pas. La fente vue de l'autre côté. À mon avis, ça devrait marcher tout ça. Alors, éventuellement recimenter tout le mur là en bas. Une fois qu'on a un peu plus de temps. Voilà la file de terre de mon frère. La prise de terre qui monte et qui pénètre dans la maison. Voilà, j'arrive! Voilà le fameux égout que mon frère pense qu'il devrait être remblayé. Mais à mon avis, si le niveau est déjà à moitié dans le tuyau comme ça, et qu'il n'est pas à moitié là-bas, c'est que ça doit monter. Tu peux remblayer tout ce que tu veux. Mais ce tuyau-là, il est plus bas que celui-ci. Une solution, c'est de remplir de grosses pierres piquées à la plage. Carrément faire un... que la flotte elle soit essoulée, qu'elle passe entre les pierres en dessous. Éventuellement carrément recouvrir, une fois que les pierres sont posées, de recouvrir de terre. Très marrant. Oui, c'est la deuxième manche entre papa et Chris, la belle, pardon. Papa a gagné, Chris a gagné 21-18 et papa 21-9 et la belle se déroule. Je ne sais pas le score. Nous pouvons regarder. Vous avez remarqué le service de Chris là ? Nous pouvons admirer la main de papa. Ah là, ils font des balles. La belle. C'est le vainqueur qui a eu qui aura le service. Alors, premier point. Voilà. Herbevent le salaud. Ça fait 1-0 pour papa. Ou pour l'instant. 1 partout. Chris semble lécher la table. Chris rate tout. Ce match est en direct. Voilà le vainqueur de la deuxième manche et le vainqueur de la première manche. À toi, Jarvis. Chris est mort de rire, il ne peut plus jouer.
Il sent qu'il va perdre, alors c'est fini pour lui. Ah, ce salaud, ce bon. Et il a raté son service. Cela fait combien, messieurs? 1-5. 1-5 pour papa, pour Chris, puisqu'il a 1 et papa 5. 2-5. Magnifique balle. Aïe, raté par papa. 3-5. Toujours Chris au service. Nous allons suivre encore quelques secondes de ce match. Il y a travers. 4-5. Il y a 4-5 pour l'instant. Quand même. 5 partout, service papa. Oh là là. Et Chris rate son passing shot, il a l'air déçu, mais... Oh, ah, la classe. 7-5. Voilà, 8-5 pour l'instant. Combien? 9-5. 10-5, 5-10, service Christophe. Très marrant. Net. Rebondissait deux fois. 6-10. 6-11. Je crois que nous devons nous quitter. Nous reviendrons à ce match dans un petit moment. Un petit au revoir d'Alain Sanders et de Christophe. C'est bon. À bientôt, à tout à l'heure. Alors, il y a 13-15. Êtes-vous nerveux? Vous êtes sûr de gagner? Ah oui, j'ai laissé mon fils jusqu'à 13. Et vous, Christophe? Ah ouais, j'ai fait la remontée d'année là. D'accord. 14-15. 14-15. Chris n'a perdu qu'un point. 15 partout. Il y a une mouche qui est en train de m'embêter. Où est-elle? Ah, elle est partie. 15-16. Là, nous pouvons admirer la belle maison de grand-mère. Le panneau blanc, les 80. Voilà, les 80. Et notre arbre que nous avons planté, c'est un tremble, je me semble. Et là-bas, le noisetier qui n'a pas l'air très en forme. Mais on espère qu'il pourra. Mais notre boulot a l'air de. Notre tremble a l'air de bien. Bien prendre. Où en sont les deux champions? 13-18. 16-18, pardon. 17-18 pour l'instant. Ah, Chris prend le service. Regardez la gueule du gagnant. Ah, Chris se concentre. Une balle de match, 19-20 pour papa. 20-19 pour papa. Balle de match. Et voilà, 19-21, voici en gros plan le gagnant. Que pensez-vous, monsieur? Oui, des commentaires. Oui, des commentaires. Alors, les deux joueurs se serrent la main. Pour la caméra, s'il vous plaît, serrez-vous la main. C'est bon, champ, je vais déchirer. Voilà. Qu'avez-vous à dire sur ce match gagné?
sur ce match gagné. Ça va te faire un petit peu de bref. Êtes-vous content? Yes. Et vous, Chris, bon, pas trop déçu? Ah, j'aurais dû gagner, mais. Donc à moi. Non, 0-1. 0-2. De toute façon, je vais me remonter. 0-3. Je suis habitué à ça. Dégoûté, sera vite consommé. Ah ouais, c'est ce qu'on dit. Longe. Eh, tu as. Non, allez. T'as de la chance. Ah, ça. C'est sûr que t'as loupé, hein. C'est qui, ça? Laisse bien les services. Tu l'as touché. Ouais, ouais, toi avant, puis en plus, tu touches avec le corps. Donc bon, combien? 2-9? Ouais, ouais, garde l'œil. Ça va pas, il doit y avoir 2-6. Ouais, si j'avais 6, il y aurait 2-1. Ouais, ouais. Ouais, et une autre triche, papa, 2-6. Voilà, 3-6, encore un. Les conditions pareilles. Ça fait donc 7-3-3-7. Et oui. Ah, t'as pas vu que je la remettais celle-là. Elle est bonne, c'est le rebondi contre la chaise. Ça y est, du vent. Et ça, c'est service. Deux fois en plus parce que j'ai été chercher la balle sous la table. Ça fait combien? Bon, Chris, ça 5-7. Va. 5-7. Ça va, il y aura trop de ping-pong. Oh, où suis-je? Merde, oh, je suis dans le nez. Pas évident avec la caméra. Oh, on va la dégager. Bleu. Je m'approche. Attention, il y a un fossé. C'est le fossé. C'est bon. Ah, papa et Chris, on est en train de... Je vais m'approcher d'eux, tout gentiment, hop. Ah, pardon. Voilà. Grand-mère! Je vais m'approcher de grand-mère. Alors, c'est comme ça. Nous y allons. Je m'approche de la maison. Ça va? Oui. La cuisine donc.